Bonjour tout le monde, je suis à New York dans le bureau à VOA et je suis avec le groupe Les Ambassadeurs Mandingue de la Guinée. Hello, bonjour, comment allez-vous? Soyez le bienvenu ici à Music Time in Africa à la VOA. Merci, madame. Bonjour à tout le monde. Et votre nom c'est Mamadi Mamadi Kouyaté. Kouyaté. Et Mamadi? Mamadi Kourouma. Ok, j'étais à Barbès, un petit club à Brooklyn, New York, et vous étiez avec le groupe entier, les ambassadeurs Manding, et c'était incroyable. J'ai beaucoup aimé, et puis le monde aussi venait danser, bouver, mais j'étais très impressionnée par la façon dans laquelle vous deux jouez ensemble. C'est très, très, très harmonieux. Est-ce que vous pouvez me dire pendant combien de temps vous jouez? D'abord, nous sommes de la même source d'inspiration. Nous sommes de la Haute-Guinée, la source du mandingue, de tous les morceaux mandingue. Lui, il a fait un grand orchestre en Guinée, le 22 bandes. Et moi, j'ai fait beaucoup d'orchestres. Je suis passé par l'orchestre fédéral à Oui, l'orchestre national oui, Horoya Band. oui. Après, j'ai fait le Bembeya Jazz national et international avant de venir aux États-Unis. Mais vous deux, vous jouez ensemble depuis combien de temps? Nous jouons depuis 15 ans. Donc vous n'avez même pas à réfléchir. Il commence une note et puis tu sais exactement ce Il qu'il va. connaît toutes mes notes. Depuis quand vous jouez à Barbès? 13 ans. Wow! Oui, parce que nous avons commencé à jouer en 2017. Bon, c'est en 2016 que j'ai formé le groupe, mais en 2017, nous avons commencé parce que mon ami Olivier, il a ouvert le Barbès. C'était des petits groupes qui jouaient. Après, maintenant, tous les groupes ont postulé de jouer là-bas pour des séances de récréation. Mais nous, nous jouons tous les mercredis depuis Depuis 13 ans. 13 ans. C'est vraiment un véritable trésor Oui, caché, oui, je pense, oui, de la vie oui, musicale à Brooklyn. oui, Vous, oui, les ambassadeurs oui. Manding. Est-ce que vous pouvez commencer un morceau? Thank you.
merci beaucoup. Ça, c'est quel morceau, en fait? Ça, c'est un morceau de la Haute-Guinée. Ça veut dire, en langue couranco, ça conquête. Oh, yeah. Ça conquête. Ça conquête. Ouais. Cela veut dire, en bon français, oui. Quand tu vois la personne que tu aimes plus que tout, ton vrai amour, quand tu le vois, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif, tu n'as envie de rien. Tu vois, ça conquête, cela conquête, cela veut dire avoir faim. Mais ça conquête, je n'ai plus faim. Ah, ok. Voilà, quand tu vois ton love, tu n'as plus faim, tu n'as pas soif. Normalement, il y a une chanteuse qui accompagne cette chanson? Oui. Ok, mais vous ne chantez pas? Oui, nous faisons le jazz mandingue parce que c'est classique. Oui. Bon, moi, les chansons, c'est moi qui le fais dans la guitare. Mm-hmm. Revenons-nous au Barbès pendant une seconde. Mm. Normalement, quand vous jouez là, chaque mercredi soir, oui. Depuis 13 ans, oui. Les gens qui viennent vous écouter, oui. Ce sont des Africains qui habitent dans des parages spécifiquement ou non? C'est le monde entier qui vient. Parce qu'il y a des Allemands qui veulent venir en tourisme. Ils appellent, est-ce que Mandingo Ambassador continue à jouer? Il y a des Hollandais qui viennent, il y a les Français, il y a les Japonais. Oh, il y a les hindous, mm-hmm. Tout le monde vient. Deux fois, ils viennent demander notre service. Bon, il y a des gens qui écoutent notre morceau, par exemple ça. Mm-hmm. Il y a des hindous qui peuvent venir demander ça, qu'ils veulent adopter à leur musique. Mm-hmm. Mais on joue, on leur donne. Ils vont, ils exploitent. Mm-hmm. Mais c'est tout le monde qui vient à Barbès. Mm-hmm. Je comprends. Voilà. Cette musique est du mandingue classique. Oui. Et c'est connu et c'est joué et aimé dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, l'Empire mandingue. Oui. Mais vous-même, vous faites partie de cette musique oui. depuis longtemps. Oui. Donc vous faites partie du développement de cette musique. Est-ce que vous pouvez expliquer? La musique... Il y a des instruments mélodieux, traditionnels. Mm-hmm. Par exemple, moi, depuis le XIIIe siècle, ma famille est la famille griotte principale du mandingue, mm-hmm. les Kouyaté. Oui. Parce que Bala Fasake Kouyaté était le griot de Sundiata Keita, okay. Qui a créé l'empire du mandingue. Oui. Bon, le Bala Fasake Kouyaté, mm-hmm. il y a le Goni, mm-hmm. le simple goni, oui. il y a la kora, il y a le balafon, mm-hmm. qui sont les trois instruments mélodieux. Bon, le dozo goni, le bolon et le konimba, ça c'est un autre groupe d'artistes. Mm-hmm. Mais nous, maintenant, quand moi je suis parti à l'école, je n'ai pas eu le temps de jouer trop au balafon. Mm-hmm. Mais j'ai joué 3 ans dans la troupe mm-hmm. au balafon mm-hmm. et mon père jouait la kora. Mm. Donc c'est notre source d'inspiration. Oui, mais j'aimerais aussi savoir votre rôle dans le développement de la musique oui. mandingue classique au Guinée, oui. en Guinée, oui. Votre histoire. Oui. Avec le Bembeya Jazz, oui. juste nommer les orchestres oui. et comment vous êtes venu. Voilà. D'abord, j'ai commencé par le troubadour, dans les villages par village, mm-hmm. parce que toutes les chansons-là sont créées dans les villages par des griottes qui n'aiment même pas partir en ville. Elles aiment vivre dans le milieu rural, dans les fermes. Donc, quand nous allons là-bas, on joue, elles sont contentes, elles viennent, elles créent des morceaux. Nous aussi, on les joue. Mm-hmm. Bon, et j'ai transposé le balafon, la kora et le goni dans la guitare. Ah, ok. Ça allait être une question voilà. que je poserai après. voilà. Ah, ok. Donc,
en le temps du premier président de la Guinée, les compétitions étaient très organisées. Les sections se rencontraient dans la préfecture. Par exemple, à Kouroussa, il y a 11 sous-préfectures. Se rencontrent dans la préfecture. Vous jouez la quinzaine. Bon, moi, j'ai été repéré comme l'un des meilleurs guitaristes. Ils m'ont pris dans mon village, ils m'ont amené à Kouroussa. Je suis rentré dans l'orchestre fédéral. Au bout d'un temps, on m'a nommé chef d'orchestre. J'ai fait 15 ans là-bas. Après, l'orchestre national Horaya Band a eu besoin de moi à Conakry. Ils sont venus me prendre à Kouroussa, ils m'ont amené là-bas. Après, l'orchestre Keleti et ses tambourines. Bon, lui m'a donné son siège, la payotte. Je suis resté là-bas, j'ai encadré les Amazones de Guinée, les Guélidines de la payotte et le super tropical Djoli Band. Donc j'ai formé ces groupes et qui ont voyagé. Et après, le Bembea a demandé mon service. Je suis venu dans le Bembea. Nous avons fait la répétition et nous avons fait beaucoup de tours dans le monde. C'est en 2004, quand on a fini la tournée, moi j'ai préféré maintenant venir venir aux États-Unis. Mamadi. Mamadi, et son histoire aussi, il a fait le troubadour comme moi. Il a joué pour beaucoup de personnes. Mais lui, il a joué maintenant dans l'orchestre fédéral de Kankan, et la capitale de la Haute-Guinée, le 22 Band. Il est resté là-bas. Il a marié une femme, mais sa femme est aveugle, mais elle chante très bien. Bon, quand ils ont fait un album, ils ont eu un contrat pour venir aux États-Unis. Donc, c'est le contrat qu'il a amené ici avec sa femme. C'est cool. Est-ce que vous pouvez jouer un morceau de Bembea Jazz?
that is just beautiful. Normalement, Mamadi est en train de jouer la basse, ou si c'est un balafon, il est en train de piquer les notes de la main gauche, ou est-ce que c'est le cora? Comment? Ça, c'est la guitare rythmique. C'est pourquoi on dit le mandingue classique. Mm. Lui, tous les accompagnements en balafon, mm-hmm. en cora, mm-hmm. on formate ça, on met dans les gammes achromatiques, mm-hmm. c'est ce que lui, il joue. Okay. Bon, moi, je joue maintenant la chanson, l'accompagnement solo, tout. Mm-hmm. Si le bassiste est là, oui. lui aussi, il joue comme le bolon. Ah. Voilà, le bassiste oh, okay. joue à la place du bolon. La batterie, ça, c'est le rythme mandingue qu'on met dans la batterie, d'accord. dans le drum set. Oh. L'orchestre complet qui joue les mercredis soirs là-bas à Barbès. Mmh. Qui sont les autres membres du groupe? Ils sont tous de la Guinée? Non, nous sommes deux de la Guinée. Ok. Et le reste? Le reste, c'est les Américains que j'ai appris à jouer. Ah. Ils ont beaucoup aimé, ils m'ont beaucoup approché. Oui. Il y a trois souffleurs, oui. parce que tout le monde ne peut pas jouer là-bas. Oui. Il y a un trompettiste, mmh. un flûtiste et saxo alto, mm-hmm. il y a un saxo ténor et clarinette, mm-hmm. c'est celui qui joue saxo oui, ténor et clarinette, Oran. Donc, il y a Andy qui joue à la batterie, mm-hmm. bon, mais si Andy n'est pas là, c'est Jérémy qui joue à sa place. Ah, okay. Voilà, et oh. nous avons un joueur de conga aussi, mm-hmm. Flusso, bon. Et si nous sommes au complet, oui. on prend une chanteuse qui vient chanter. Si nous allons pour les festivals, uh-huh. je loue le service d'une chanteuse mm. guinéenne. Ouais. Elle vient chanter mm-hmm. avec nous. Mm-hmm. Et deux danseuses mm-hmm. qui vont danser. Oh. Donc nous jouons au nombre de 12 si c'est le grand festival. Mais les mélomanes de New York aime seulement les trois guitares et accompagné par le rythme. Mm-hmm. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un morceau que normalement vous jouez pour dire au revoir? Oui, il n'y a pas de problème. Le On va faire ça, mais revoir. Avant, merci beaucoup, Mamadi Kouyaté et Mamadi Kourouma. Merci. Merci. C'est nous qui vous remercions, madame.